Good morning, à la Yidane Messus, aujourd'hui le Lenishmat, avant Prain, Norberman, Sortune, Mazal, Rachamim, Ben Rosae, Yedida, Betester, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez sa communauté éternelle. Nous étions Maserhet Erchin, Parikret, Mishnah Bet. Amar Echad, Arehi, Sheli, Be'eser, Slaim. Ve'echad Omer, Be'esrim, Ve'echad Omer, Be'shloshim, Ve'echad Omer, Be'arbaim. Ve'echad Omer, Be'chamishim. Chazar, Bochel, Chamishim, Memashkenin, Menechasav, Ad Eser. חזר בו של 40 ממשכנין מנכסיו עד 10. חזר בו של 30 ממשכנין מנכסיו עד 10. חזר בו של 20 ממשכנין מנכסיו עד 10. חזר בו של 10 מוכרין אותה בשוויה ונפרעין ממשל 10 את המותר. הבעלים אומרין 20 וכל אדם אומר ב-20, הבעלים קודמים מפני שהם מוסיפים חומש. משנה רלטיבמנט סימפל. On continue à parler du sujet de la personne qui va sanctifier sa maison, ou bien sanctifier même son champ à l'époque où il n'y a plus le Yovel, comme son avait appris. Concrètement, ce qui m'intéresse, c'est que il y a toutes sortes d'objets que je vais sanctifier, que je vais rendre kadosh, je vais les offrir au Beth Amikdash. Et dans ce cas-là, le trésorier du Beth Amikdash, il va les revendre. Plus selon un prix fixe, mais plutôt selon leur contre-valeur, la valeur exacte, mais plus précisément à la vente aux enchères. Et c'est ce que la Mishnah maintenant vient m'enseigner. Comment est-ce qu'on va faire les enchères? La Mishnah, je vous le fais d'abord à l'oral, ça va être très simple. Un, il a dit 10, l'autre, il a dit 20, l'autre 30, 40, 50. D'accord? Bon, bien évidemment, alors on va la vendre à celui qui a 10, 50. La Mishnah va m'enseigner quelque chose de très spécial, c'est que si toutefois celui qui a 10, 50, finalement il se rétractive, il ne veut plus l'acheter, alors on va aller vendre la maison à celui qui a 10, 40. Et on va prendre les 10 supplémentaires de celui qui a 10, 50. Et ainsi de suite. Celui de 40 il va se rétracter, alors on va dire à chacun, on va repartir vers celui qui a dit 30, on va dire toi tu as dit 30, t'achètes à 30, et les 10, c'est toi qui as dit 40 que tu les payes, et les 10 supplémentaires, toi qui as dit 50, tu les payes. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'on va arriver au premier dixième, comme on va voir tout de suite, on traduit. Amar Echad, l'un a dit, donc le Gizbar, le trésorier du Beth Amikdash a commencé la vente, et un a dit, Arehi Sheli Be'eser Slaim. Un proposé 10 cela pour la prendre pour lui-même. Ve'echad omer be'esrim, et l'autre dit pour 20. Ve'echad omer bishloshim, et l'un dit pour 30. Ve'echad omer be'arbaim, et encore un autre me dit à 40. Ve'echad omer be'chamishim, et l'autre dit à 50. Donc pour le moment, la Mishnah a besoin d'une précision qu'on va vendre à celui qui a dit 50. C'est évident. La Mishnah va maintenant partir un pas plus loin en disant Chazar boshel chamishim. Si celui qui a dit 50 se rétracte, finalement il ne veut plus, eh bien, Memashkenin Menechasav ad Eser, on va partir faire une saisie de ses biens, donc il a engagé, ses biens sont engagés maintenant à couvrir les 10 supplémentaires qui se rétractent, la perte. Et on va vendre la maison à celui qui a dit 40. Maintenant, Chazar Bosh al Arbaim, celui qui a dit 40, lui aussi se rétracte, Memashkenin Menechasav ad Eser, on saisira de ses biens à lui aussi, pour les 10 supplémentaires, et on va aller la vendre à celui qui a dit 30. Donc pour le moment, celui qui a dit 30, il achète, et l'autre, il paye les 10 supplémentaires, l'autre, il paye les 10 supplémentaires, et s'ils ne veulent pas payer de leur plein gré, alors on va leur prendre contre leur gré, on va faire une saisie de leur bien. Chazar Bochel Shloshim, celui qui a dit 30 se rétracte, et bien même Ashkenin Minechasa va desser, on va de nouveau faire une saisie de bien jusqu'à 10 supplémentaires, et on va vendre à celui qui a dit 20, et dans ce cas-là, Chazar Bochel Esrim, celui qui a dit 20 se rétracte lui aussi. Eh bien, Memashkenim et Nechasav à Deser. Alors, de nouveau, on va aller vendre à celui qui a dit 10, et on va prendre à celui qui a dit 20, 10 supplémentaires, celui qui a dit 30, 10 supplémentaires, celui qui a dit 40, 10 supplémentaires, et celui qui a dit 50, 10 supplémentaires. Maintenant, que se passe-t-il si le dernier se rétracte lui aussi? Et le champ, en réalité, il vaut nettement moins que ça. Donc, la Mishnah m'enseigne comme ça. Chazar Bosh à Deser, si celui qui a dit 10, les 10 premiers, se rétracte lui aussi. Alors, dans ce cas-là, Mochrenota Beshovia. On va la vendre selon sa valeur exacte que les gens sont prêts à payer. On va lui trouver, elle va bien être vendue, même si c'était plus 10. Alors c'était à quoi? À 5? 4? Alors vends-la à 4. Et Venifrain, Michel Esser est à motard. Et celui qui a dit le premier 10, on lui demandera de compléter jusqu'à 10. C'est-à-dire, le principe est très simple. C'est lié aux lois, c'est le même principe que la loi des Nédarim, la loi des vœux. À partir du moment où tu as manifesté le fait que tu es prêt à payer 10, 20, 30, 40 au Beth Amikdash, eh bien ta parole t'engage. Alors c'est sûr que là, qu'il y a quelqu'un qui va peut-être s'engager encore plus fort que toi, donc dans ce cas-là, il va t'écraser et te faire disparaître.
il va lui s'engager à payer. Mais si lui se rétracte, alors ta parole reste en place. Elle reste en place, tu vas devoir payer ce que tu as promis. Et jusqu'au bout, ça veut dire que même si toi tu rétractes et tu es en droit de te rétracter, certes, on ne va pas t'imposer à conclure l'achat, mais malgré tout ce que tu as parlé, on va te faire une saisie des biens. D'accord ? C'est la Mishnah qui va enseigner, donc jusqu'à ce que celui qui a dit 10 lui-même se rétracte, alors on va essayer de la vendre à 4, 5, 6. On a trouvé quelqu'un qui va l'acheter à 6. On va dire, toi qui as dit 10, tu complètes jusqu'à 10, tu payes les 4. Et on continue ensuite, donc chacun rajoute les 10 qu'il a promis. Le Barthénora enseigne. Il y a un petit Barthénora un peu qui rallonge en fait pour expliquer que tout ce qu'on a dit, c'est uniquement lorsqu'il se rétracte un après l'autre. Mais s'ils se rétractent tous ensemble, alors ils vont se partager ensemble la perte. C'est-à-dire, le Barthénora, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y aura quelques petites questions techniques, mais en tout cas, de manière générale, je vais reprendre l'exemple du Barthénora, il est très simple. L'un dit 10, l'autre dit 20, et l'autre dit 24. D'accord ? Donc 10, 20, 24. S'ils se rétractent l'un après l'autre, celui qui dit 24, il paye les 4, on nous donne à 20. 20, il se rétracte, il paye les 10, et l'autre, il paye les 10 supplémentaires. S'il se rétracte, alors on va la vendre. Le Barthénora prend le cas où finalement on va réussir à la vendre à 3. Donc on va lui dire, bon, toi qui as dit 10, tu payes les 7 supplémentaires pour arriver à 10. Toi qui as dit 20, tu payes les 10 entièrement. Et toi qui as dit 24, tu payes les 4. Donc ça nous fait 7, 10, 24. D'accord ? Et 20, 7, 10, 4. C'est comme ça qu'on devrait arriver en théorie. Eh bien, c'est comme ça qu'on arrive concrètement. Mais s'ils se rétractent tous en même temps, alors là, il y a quelque chose de spécial qui se passe, c'est qu'on va dire, bon, on devait arriver à 24. 3, c'est ce qu'on a réussi à vendre. Donc il manque 21, vous êtes 3, on partage les 21 en 3. C'est ce que le Barthénora rallonge dans son... à nous présenter ça. D'accord ? Il y a des petits cas techniques que je ne préfère pas vous rentrer dedans, je préfère avancer, mais moi je ne suis pas entré dedans, donc je ne préfère pas trop parler. Et on étudie à présent la dernière phrase de la Mishnah, qui va en fait être une introduction à la Mishnah Gimel. Abéalim omrim be'esrim, bechol adam omrim be'esrim, abéalim kodumim mipene shem mosifim chomesh. Très simple. Si le propriétaire a dit 20, et une autre personne a dit lui aussi 20, c'est-à-dire qu'on a en fait, lorsque le gizbar, le trésorier du Beit HaMikdash a commencé à vendre aux enchères, alors on se retrouve avec le propriétaire et une tierce personne qui sont tous les deux prêts à mettre 20 sur ce terrain, eh bien la Mishnah enseigne que Abéalim Kodumim, on donnera priorité au propriétaire qui a sanctifié ce bien. Pour quelle raison? Mipenei Shehen Mosefin Chomesh. Parce que lorsque le propriétaire paye, il doit rajouter le cinquième, c'est-à-dire, en réalité c'est le quart. Donc il a proposé par exemple 20, donc on va prendre il va devoir payer 25. Donc le Hekdesh, il va préférer prendre 25 plutôt que 20, bien évidemment. Donc on va donner priorité au propriétaire. Comme ça fera plus de gains pour la trésorerie du Beit HaMikdash. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de la Sakha Koltou. Salam.